si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Ma sœur, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si la jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir, ton corps courbé sous le poids de soucis, Jésus, il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Alléluia. Oh, laisse-les. Oh, laisse à la croix. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur, de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oh, abandonne tes fardeaux à ton Yesun de konabiso solo de koi on de koye wapito moni pela moko mo kote omo yemba alleluia. Aye, bibis, obiso yonso, penja mosungibe, oso kotolinginde, kosol, ndeko, ondeko, ndeko, ye. Ye na bolingo ale ki yonso ndeko ye bolingo na bila ka yonso ndeko ndeko nde yemba alleluia. Aye, bibis, obiso yonso, penja mosungibe, oso kotolinginde, kosol, ndeko, ondeko, ndeko, ye. So compassi eye na biso ndekoi Yesu ye akojala na biso solo ndekoi oh alleluia. Aye, bibis, obiso yonso, penja mosungibe, oso kotolinginde, kosolo, ndeko, ondeko, ndeko, Yesu, yempe ajali nangu, ya mingi ndekoi Yesu ye akosunga nangu ya naye nguyangu yemba alleluia. Aye bibi obiso yonso penja mosungibe oso kotolinginde kosolo ndeko ondeko nde yemba alleluia. Aye bibis
Obiso yonso penja musungi be oso kotolingi nte kosolo ndeko ondeko ndeko ye. Page 80. Jésus était blessé pour mes transgressions et brisé pour mon iniquité. Voilà le châtiment qui me donne la paix et tombé sur lui pour mon salut. Quand Jésus suivit le chemin de la mort, c'était pour moi, oh, pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus souffrit pour moi. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. À lui soit la gloire et l'honneur. Ô vainqueur de Golgotha, Jésus roi des rois. À lui soit la gloire pour tous. Alléluia, suivit le chemin de la mort, c'était pour moi, oh, pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus souffrit pour moi, oh Jésus. Était maltraité et opprimé, oh, et il n'avait point ouvert la bouche comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Tout cela pour me donner la vie. Quand Jésus le chemin de la mort, c'était pour, alléluia, me délivrer de mon terrible sort. Jésus souffrit pour moi. Oh là, sur la croix. A tout fait, tout est accompli à Golgotha. Oh, comme l'a dit Jésus, seul mon Rédempteur, et je crois à l'œuvre du calvaire. Oh, quand Jésus suivit le chemin de la mort, pour moi, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oh, Jésus, oui. Avec moi.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons à vous, nos frères interprètes, de venir à temps. Nous commençons aujourd'hui en retard à cause de vous. C'est ça. Le frère remercie le Seigneur. Il écrit ce qui suit. Avec beaucoup de joie,
Na esengo mingi. Je loue le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nazali kokumisa nkolo Yesu Kristo pe mobikisi. Pour son assistance. Pona lisungi na ye. Et sa protection. Pe kobatelama na ye. Pendant mon voyage de Lubumbashi. Na ntango ya mobembo na ngai uta Lubumbashi. Jusqu'ici à Kinshasa. Kino awa na Kinshasa. Pour cela. Pona yango. Que son très saint nom soit loué. Pona yango kombo ele ki bon santo oyaye ekumisama. Ekumisama. Pour toujours. Pona libela. Qu'il bénisse tous les saints. Apambola babula minyoso. Qui prie pour ceux qui voyagent. Ba ba kobondela pona ba bazali kobemba. C'est notre bien-aimé frère Adonis Magoleka. Et j'aline de konabiso ya mobali Adonis Magoleka. Vous êtes un frère? Ndeko zali wana? Mettez-vous debout. Telema. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola yo. Nous vous recevons ici chez nous au nom de Jésus-Christ notre bien-aimé. Toko yamba yo au epana biso na nkombo na nkole Yesu Kristo mulinga mina biso. Après que nous pouvons nous rencontrer. Si mana mayanga ni toko kiko kutana. Vous n'êtes pas le seul. Ozali ka yo mokote. Nous avons aussi notre bien-aimé frère qui vient de l'Angleterre. To jali pena mulinga mina biso ndeko ya uti na Angleterre. Vous appelez Jacques? Nkombo na yo Jacques? Isaac. Isaac. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo. Après qu'il si mana masa na mloko yanga. Parler ensemble. Toko solo ilongo. Vous pouvez mettre debout mes frères. Boko ki kotele ma elo bandeko. Nous allons lire une portion de l'écriture. Toko tanga etenu ya likomi. Nous sommes en 1 Jean 2. Tozali na moko ba Yohani mibale. Au verset 3. Nzela kotanga misato. Et nous descendrons. Pe toko kita. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toko tanga na nkombo na Yesu Kristo. Ceux qui ont envoyé des requêtes ne vous tourmentez pas. Comme nous sommes le jour de prière, après la prédication, nous aurons le temps de prier pour vos requêtes. Donc ne vous tourmentez pas que le frère a oublié. Nous lisons la parole de Dieu. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, Ye, ete, je l'ai connu, na sila ki koye ba ye, et qui ne garde pas ses commandements, pe ajali ko bate la te malakoma ye, c'est un menteur. Ajali mokosi. Et la vérité n'est point en lui. Pe solo yango ekutami te katina ye. Mais celui qui garde sa parole, kasi ye oya ko bate la loba na ye, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, na yango, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Iyo balinga mininga bandeko basimpi babali. Si vous dites que vous demeurez en Christ, soki bolobiete bozali koumela kati na Christo, vous devez aussi marcher comme lui-même. Bosengeli pe kotambola lolenge moko atambolaki. On peut parler de la bouche. Toko kikolo bauta na monoko. Mais dans l'autre temps, kasinde na tango mosusu. On vit contrairement à comme Jésus-Christ avait marché. Toko bika kokesena na lolenge Yesu Christo atambolaki. Nous allons prier ensemble. Toko bondela elongo. Pour remettre le kit aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous du début à la fin aujourd'hui. Qu'il soit avec son serviteur qui se tiendra du haut de la chair. Pour proclamer la parole de Dieu. Qu'il le soutient jusqu'à la fin. Et qu'il soit avec chacun de nous. Et même la requête pour laquelle nous prions. La requête pour laquelle nous avons prié depuis le matin jusqu'à 7h. Que le Seigneur nous réponde. Kolo aya no labiso. Prions ensemble, mes amis. To bondele longo baninga. Bien-aimé et Père, c'est mon salut. Mon créateur, c'est la terre, le verbe invisible. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, par le grand Dieu qui me permet de pouvoir te parler à cette heure. Je vais à toi, Jésus, tel que je suis. Et je te prie d'un pour cela de te bien s'aimer et assister en tout temps. Assiste-moi, Dieu d'Abraham, et ne donne pas de Jésus. Ne donne pas de Jésus.
Les autres m'appellent ami. Parce que na koli. Parce que j'ai grandi. Nazali susu ndenge nazala. Nazali susu bébé te. Je ne suis plus bébé. Ndenge Jean kolaki. Comme Jean avait grandi. Ndenge pe Jésus a kolaki. De même Jésus avait grandi. Ndenge moko 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 na biso esengeli pe a kola. C'est ainsi que chacun de nous doit aussi grandir. Lelo babengi yo mama. Aujourd'hui on t'appelle maman. Mais na kala babenga ka yo bébé. Mais autrefois on t'appelait bébé. Ndenge moko babenga yo lelo papa. De même qu'on m'appelle aujourd'hui papa. Na kala pe babengi babenga kangai bébé. Mais autrefois on m'appelait bébé. Pona nini? Pourquoi? Parce que zalaki loi ya nzambe. Parce que c'était la loi de Dieu. Esengeli moto a botama. Il faut que l'homme naisse. Il faut aussi que l'homme grandisse. Que ce soit dans la chair, spirituellement aussi, c'est la même chose. Si Dieu a engendré quelqu'un, il t'a engendré comme son fils. Son fils ou sa fille, tu ne resteras pas bébé. Dans la foi aussi, tu dois grandir. Amen. Amen. C'est ainsi que tu as vu l'esprit parler la fois passée. Mais pourquoi toi tu ne grandis pas? Mais ce que tu fais là, ce sont des choses de bébé. Alors que tu as déjà fait 20 ans dans le message. Tu as déjà fait 10 ans dans le message. Tu as déjà fait 40 ans dans le message. Spirituellement, c'est lui qui t'a connu dans ta faiblesse quand tu étais jeune. Jusqu'aujourd'hui, à l'âge de 40 ans dans le message, ce sont les mêmes choses qui se répètent, les mêmes choses, les mêmes choses. Tu décourages même d'autres croyants. Tu décourages même Dieu. Tu dois grandir. Comme tu grandis dans ton corps, de même ton esprit aussi doit grandir parce que tu es un croyant. Regardez dans le livre de 3 Jean et là nous allons lire ceci. 3 Jean chapitre 1 verset 1. Jean Yamisat Azakakaka. Troisième épître de Jean. Il n'a qu'un seul livre là. Nous allons lire son premier verset. Et nous allons descendre un tout petit peu. L'ancien. Mpaka. Agaius. Et pas Agaius. Le bien-aimé. Mulingami yango. Que j'aime dans la vérité. Bien-aimé. Mulingami. Je souhaite que tu prospères. À tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. L'âme aussi est valable. L'homme grandit aussi dans les choses de Dieu. Oui. Il y a Jean, il y a Zalaka Mpaka, Liboso, il y a Gaius, il y a Komeli. Regarde le souhait des gens qui étaient anciens devant Gaius, ce qu'il y a écrit. Alobi souhait nangai. Il dit mon souhait. Posa nangai. Mon souhait, mon souci. Que ton corps soit en bonne santé. De même que ton âme prospère. L'âme prospère à travers les prédications. Si quelqu'un n'écoute pas les prédications, il n'y a pas moyen que sa vie dans Christ puisse avancer. Vous voyez que depuis le matin jusqu'à 7 heures, nous étions dans la maison, devant les télévisions, devant les radios, devant les gens. Là, nous n'avons pas entendu la parole de Dieu. Il n'y avait pas moyen que ton âme prospère. Mais quand nous venons ici dans la maison de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que notre âme grandit. Et
Ne refuse pas de venir à l'église. Parce que si tu ne viens pas à l'église, qui compare ta vie avec ceux qui viennent à l'église, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Les amis grandissent dans la foi. Toi, tu restes avec des choses inutiles de ce monde. Mais le souhait de Jean chez Gaius, c'était que et son corps et son âme puissent prospérer. Prospérer, c'est-à-dire aller de l'avant. Dieu ne peut pas t'engendrer comme son fils et tu restes statique. Des années et des années. Non, non, non. Ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que lorsqu'il t'a engendré, mais il faut que tu grandisses. De même que ton corps grandisse. De même, ton esprit aussi doit grandir. Et tu vois comment les parents font tous les efforts pour que leur enfant grandisse bien. Les faire têter. Ils arrivent à l'étape de le donner la bouillie. Ils arrivent à l'étape d'autres choses. Jusqu'à ce que l'enfant va grandir, il a le dent et il devient papa aussi de sa façon. Et c'est pareil dans notre esprit. Si tu as crié à la parole de Dieu, sache que tu es né. Et comme tu es né, les souhaits de ton parent, Dieu, et que tu ailles de l'avant, que tu ailles de l'avant, dites amen, que tu ailles de l'avant. Parce que yokaka lobi lobi okoko ma diacre. C'est seulement toi qui viens de naître ici. Demain après demain tu deviendras diacre. Yokaka lobi lobi okoko ma motei. Ce n'est que toi plus tard tu deviendras prédicateur. Kaka yonde okoko ma mokengeli mkolomoko. Et c'est toi qui un jour tu deviendras pasteur. Kaka yonde okozala mwasi ya mokengeli. Ce n'est que toi un jour tu seras la femme du pasteur. Mwasi ya diacre. La femme de diacre. Mwasi ya motei. La femme d'un prédicateur. Mais tu dois aussi grandir. Parce que on même moi qui suis devant vous, je ne savais pas qu'un jour je serais prédicateur. Moi je n'avais cru que la parole de Dieu. Et quand j'écoutais la parole de Dieu, je grandissais dans la parole de Dieu. Et Dieu venait me dire, je t'ai appelé pour que tu sois prédicateur. Toi aussi ça peut être pareil. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sois sérieux. Parce que tu ne sais pas le pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Jésus avait dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Même ce soir, comme nous sommes assis ici, aucun d'entre nous n'a aimé Dieu le premier. C'est Dieu qui nous a aimés et il nous a appelés à son temps. Comme il nous a fait asseoir ici, il a un plan pour toi. Dites amen. Toi, tu ne le sais pas. Mais il y a un jour que tu diras, ah bon, c'est la raison pour laquelle je te venais dans le message. C'est comme ça avec Dieu. Alors, lorsque la parole de Dieu est prêchée, prends-la. Mes bien-aimés, que ce soit Gaïs, que nous venons de lire, que ce soit Zacharie, que nous avons lu, que ce soit Marie, que nous venons de lire, leur fondement pour devenir ainsi en palpant Dieu, c'est seulement la foi. Jamais, si tu n'as pas cru en Dieu, tu ne peux jamais arriver quelque part. Avec Dieu, tu n'y arriveras pas. Mais Jude écrit ceci. Lui aussi n'a qu'un seul livre. Il dit, au verset 3, bien-aimé, Baringami, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, alors que wana nazala kina motema moto moto mpona ko komela bino na ntina ya mama likambo na biso moko ya lobiko na biso ya lisanga a notre salut commun na lobiko na biso ya lisanga
Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre. Pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Amen. Amen. Depuis Abraham. Est-ce que vous croyez qu'Abraham était dans la foi? Et cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Tout ce que Abraham avait fait, c'était par la foi. Tout ce que Noé avait fait, c'était par la foi. Tout ce que Josué avait fait, c'était par la foi. Tout ce que Jean-Baptiste avait fait, c'était par la foi. Tout ce que les apôtres ont fait, c'était seulement par la foi. Même aujourd'hui, pour que tu bénéficies de Dieu, seulement par la foi. Rien que par la foi. Pour être guéri, c'est par la foi. Pour être béni, c'est par la foi. C'est pourquoi tu vois Jude. Il écrit, il dit ceci. J'avais le désir pour vous écrire. Au sujet de notre salut commun. Le salut que Paul a vécu, c'est ce que vous et moi nous vivons aujourd'hui. Mais c'était par la foi. Mais je l'ai dit dans la condiment. Amen. Amen. Le salut est offelé. C'est Dieu qui donne gratuitement. Mais pour que cela arrive à l'homme, pour que l'homme reçoive cela, il doit le recevoir par la foi. Il faut qu'il croie que Dieu est mort pour lui. Dieu est venu ici sur la terre, il a porté un corps pour lui. Dieu a été crucifié pour lui. Donc Jésus. Jésus na yekulu so abakama ki ponaye. Jésus à la croix, il était crucifié pour toi. Abotama ki ponaye. Il était né pour toi. Asopaka makila ponayo. Il était né pour toi. Et nyoso wana soko yondimi. Et tout cela si tu crois. Nde oko bénéficier makambo nzambe. C'est alors que tu bénéficieras les choses de Dieu. Ata tango Josué atelemisaka moyi. Même lorsque Jésus avait fait arrêter le soleil. Ezalaka par la foi. C'était toujours par la foi. Même ata tango Israël bakatisaka mayi na monana. Même lorsque Israël avait traversé la mer Rouge. Par la foi. C'était toujours par la foi. Même à Tabitoutou et à Jéricho, même comme le mur de Jéricho était tombé. Par la foi. C'était toujours par la foi. Ndenge Marie Vierge à Botaka. Comme Marie Vierge avait enfanté. Botaka par la foi. Et elle avait enfanté par la foi. Ndenge Elisabeth et Komba à Botaka. De même Elisabeth est stérile avait enfanté. Kaka na foi. Et elle avait enfanté toujours par la foi. Malobi cette fois-là. Et on dit que Kondimo Wana a été transmise au
Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir cette maison est assise sur quoi? Cette maison est assise sur la fondation. Peut-être toi, quand on a construit cette maison, tu n'y étais pas. Tu n'es venu voir que la maison. Mais nous qui avons vu son début, si tu nous demandes, nous te dirons. Tu verras dans tout, tu vois dans tous les coins de la maison tel quel. Près de 3 mètres. On arrivait jusque là où l'eau jaillit des petites sources. On pouvait tirer l'eau par motopompe. Et on a pris des moellons, on a jeté là-bas. Et on a pris des colonnes, on l'a dressé sur ce moellon. Selon l'intelligence de l'architecte qui a fait cette maison. Et il savait qu'un jour cette maison peut devenir petite. Lui, Jésus, dans le Nouveau Testament. Et jusqu'au jour où nous irons à l'enlèvement, Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes fondés sur ces fondements. Un jour, frère Branham, il a demandé à sa femme Meda, parce que Meda était jalouse. Pourquoi? Parce que frère Branham était allé au ciel. Il avait élevé là où se trouvent les saints qui meurent. Et quand il est revenu, il dit à sa femme que j'ai vu Hope, ma première femme qui était morte, je l'ai vu là-bas. Elle est venue aussi m'embrasser. Oh frère Branham. Oh frère Branham. Alors, Yesikoyo Meda et elle, Meda, un jour, ils étaient assis. Atuni Billy. Il demande, Billy. Yo lobaka na biswa wake, omona ki ope kuna. Toi, tu nous as dit ces jours-là que tu as. Nana goza mwasina. Qui sera ta femme? Alors frère Branham na kuna to kokota te a koti na ye na masolo ebele bele bele. Frère Branham est en train de parler détails. Atunie. Et il lui a demandé. Na woko tuna yo toza na kati ya libota biso na yo mokwa. Je peux te demander, nous sommes dans la famille avec toi même ici. Na lola isika to kozala. Au ciel, là où nous serons. Yo koyamba Yesu na kingo. Toi, tu vas embrasser Jésus dans les coups. Mais au moni mwana mwasi moko pe aye ayambi pe Yesu na kingo. Et tu vois une autre femme venir et embrasser aussi Jésus. Oko sepela to oko sepela te. Seras-tu contente ou tu ne seras pas contente? Abite eza malam azanzambe na biso nyonso. Elle dit mais non, c'est une chose normale. C'est notre Dieu à nous tous. Il dit que OK, ça va. Na balola mutuna. Donc je vais maintenant changer ma question. Bon, sikoyo soki ngai na telemi wana. Et si moi je suis là? Et Jésus est là. Lorsque nous serons là-bas, tu vas aimer qui? Oh, elle dit, j'aimerais le Seigneur parce que j'aimerais Jésus parce que c'est lui mon Seigneur. Tu vois? Une sœur en Christ.
Une sœur en Christ. Ayebi importance y a Jésus. Elle connaît l'importance de Jésus. Devant prophète y a Jésus. Devant le prophète de Jésus. Ayebi si ngai na kolinga entre binomi balé na kolinga Yesu. Elle lui dit que entre vous yo et toi Motei prédicateur. Ayebi si biso. Tu nous as dit entre Branham. Entre Branham na Jésus. Na Yesu. Na kolinga Branham et koleka Jésus. Je vais aimer Branham plus que Jésus. Mon frère est Silio Katilikambo. Mon frère, c'est tout, tu as tranché la chose. Ayebi ngambo yo zali. Tu sais dans quel camp tu te retrouves. Alléluia. Alléluia. Biso wa toza ba Branhamiste te. Nous ici, nous ne sommes pas des Branhamistes. Biso toza ba chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Branham a zane sika na ye. Branham a sa place. Même ndeko Frank pe a zane sika na ye. Même frère Frank aussi a sa place. Frère Donat tia ye sika na ye. Frère Donat meule a sa place. Nzambe na biso ezan kolo Yesu. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus. Yango toza koloba. C'est ainsi que nous disons. Oh, il faut banda par la foi. Il faut que tu commences par la foi. Foi yakoye ba qui est ce Jésus. La foi de savoir qui est ce Jésus. So ki yo yebite nani Yesu po na yo. Si toi tu ne connais pas qui est Jésus pour toi. Oza nulle part. Tu es nulle part. Oza mosambeli sambeli pamba. Tu n'es qu'un adorateur. Té. Non. Yesu. Jésus. Aza lisé quoi ponayo. Il est la résurrection pour toi. Yesu. Jésus. Aza enlèvement ponayo. Il est ton enlèvement. Yesu. Jésus. Aza molimo mosantu ponayo. Il est le Saint-Esprit pour toi. Aza lipamboli ponayo. Il est la bénédiction pour toi. Lobiko ya nzoto ndenge zo bela wana kaka Jésus. La guérison de ton corps comme tu es malade, c'est seulement Jésus. Kosangisa na moto moko te. Ne l'associe pas avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Mukolo wana na te yaki quelque part ici kana uti. Ce jour-là, j'avais prêché quelque part d'où je viens. Na pesa ki kombo aliteya. J'avais intitulé ma prédication. Ce jour-là sur le calvaire. Mokoloana na Calvelo. Mokolo moko très important pour l'humanité. Un jour très important pour l'humanité. Si le Seigneur le veut, nous en parlerons. C'est le jour différent de toutes les autres jours. Mokolo yowana. Ces jours-là. Likolo ya calvaire. Sur le calvaire. Ezaki un jour spécial. C'était il faut grandir dans les choses de Dieu. Que Dieu bénisse frère Bosenge. Il faut cola. Il faut grandir. Cola. Grandir. J'avais prêché aussi une autre prédication. Quand j'ai réfléchi à mes voix. Tango na sosoli na banzela ngai. Ezaki na bana mibale liboso à papa. Il y avait deux enfants devant un papa. Héritage à papa ezalaki ya bango. L'héritage de papa leur appartenait. Papa ezalaki kozela bana ba kola ti ba koma na niveau moko boye. Papa attendait que les enfants grandissent jusqu'à un certain niveau. Pe akopesa bango héritage. Et il va leur donner l'héritage. Mais Bible lobi. Et la Bible dit les plus jeunes fils. Oh ya elenge. Ala muki na tongo moko. Il s'est réveillé un bon matin. Ah, si papa. Il dit à son père. Pe sanga ili bula na ngai. Donne-moi mon héritage. Na géré. Que je puisse gérer moi-même. Papa koyebaka ke mwana komi na niveau ya ko gérer te. Le papa sachant que l'enfant n'a pas encore l'âge de gérer. Atalié, il lui a regardé. Abi comment ça? Il a dit c'est quoi ça? Ayebaka esika mwana ko suka. Il savait où l'enfant aboutira. Et apesiye. Et il lui a donné. Mais suka suka. Et à la fin des comptes, mokole koya tokoloba yango. Et les jours, un jour nous allons parler. Yo il faut ko kola nan. Toi tu dois d'abord kola grandir. Na maboko ya nkolo. Grandis dans le nom du Seigneur. Kola. Grandi. Nzambe a bomba makambo ya kitoko pona yo. Ye a réservé de bonnes choses pour toi. Azo mona ke oza nano na niveau ya kopesa oya ngote. Il voit que tu n'as pas encore l'âge pour qu'il te le donne. Il faut kola. Il faut que tu grandisses. Yoka frère Gide. Écoutez frère Gide. Alobi kondima oya pesa ma mbala moko pona ba santo. Il dit que la foi qui a été transmise une fois pour tous. Même frère Pierre. Même le frère Pierre. Lui aussi en a parlé. Dans 2 Pierre chapitre 1er. Dans 2 Pierre chapitre 1er. Il a dit ceci. Le premier verset. Simon Pierre. Simon Apetelo. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Mosali ben Thomas na Yesu Christo. À ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre. Nabai bazwa ki na libula kondi mango moko moko elolenge moko na we biso. Ah! C'est-à-dire biso. C'est-à-dire nous. Apôtre Pierre. Apôtre Pierre. Alobi, il dit et pas ina babula mi
à ceux oyo bazwa kondima yango moko moko ya motu ya moko na biso qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre. Tozonge la bien-aimé. Reprenons. Simon Pierre. Simon à Petero. Serviteur. Mosali. Et apôtre de Christo. À ceux qui ont reçu en partage. Na baiba yambaki kati na libula. Une fois du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu, et dit ce sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que tu as entendu Jésus dire que sans Jésus, aucun de l'ibosoté. Il t'amène. Aucun de l'ibosoté. Tu n'iras pas de l'avant. Effort personnel nayo. Ce n'est pas de l'effort personnel. Non, non. Sans Jésus. Sans Jésus. Ezali effort personnel yayo moko. Sans Jésus, ce n'est que de l'effort personnel. De ton, tu vas te fatiguer. Est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes ici? Tout ce que l'homme fait pour Dieu, si ce n'est pas que ce Dieu qui agit en lui, c'est-à-dire que c'est lui-même qui fait ses propres efforts. Alors si c'est toi-même qui fait pour Dieu, tu vas te fatiguer. Les partages, c'est ce que tu donnes. Si c'est Dieu qui est en toi et qu'il te pousse à donner aux autres, parce que lorsque Dieu nous a aimés, toi et moi, c'est non. Dieu nous donne par son amour. Et s'il est en toi, c'est cet amour-là de Dieu qui commencera à agir en toi. Si ce n'est pas Dieu, et comme fabrication na yo, c'est de la fabrication personnelle. Et ce qu'on fabrique, le lobby. Et si tu fabriques et aujourd'hui et demain, ça devient toute une année. Et, bato sale la yangote, et que les gens ne te rendent pas cela, tu vas te lasser. Tu diras, moi j'ai fait pour eux, mais ils ne me rendent pas. J'arrête là. Mais on dit, sa divine puissance a donné tout ce qui contribue à contribuer. Tout ce qui contribue. Et l'on se contribue. Tout ce qui contribue. Yé, nguya na ya bonzambe nde zo sala. C'est sa divine qui contribue à la vie. Contribuer na bomoy. À la piété. Pe na bonzambe yango. Par quel moyen? Nanzela nini? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Nanzela ya boyebi yango ya yo abianki biso. Il faut yeba qui est Jésus. Tu dois savoir qui est Jésus. Si tu ne connais pas qui est Jésus dans ta vie, tu n'avanceras pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous voyez? Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, par ses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Vous voyez ces choses, Dieu nous a parlé ça de dimanche. Pourquoi toi tu as un petit enfant? Tu ne grandis pas.
Et il a dit, regardez Zoé. J'ai connu Zoé. Il était un petit enfant. Il pouvait sortir devant le paradis. Aujourd'hui, Zoé a grandi. Aujourd'hui, Zoé ne peut plus sortir ni devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Mon dimipé. Les croyants aussi, s'il a grandi, il y a d'autres choses qu'il ne saura pas faire. Dites Amen. Il ne pourra pas. Qui est des gens ou pas, il ne le fera pas. Lui ne craint pas les hommes. C'est une vie qu'il a héritée. La vie divine en lui. La vie divine en lui. Et vous devenez participants de la nature divine. En fouillant la corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise. Amen. Amen. Mais l'apôtre a bâti si boy, yoka kokola. Et l'apôtre ajoute ceci. Yoka kokola na moli. Regardez la croissance dans l'esprit. À cause de cela. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi, pour joindre à la fondation, la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience. Motema molai. À la patience. Na motema molai. La piété. Bonzambe. À la piété. Na bonzambe. L'amitié fraternelle. Bolingo yango bandeko. Et à l'amitié fraternelle. Bolingo yango bandeko. L'amour. Bolingo yango. Amen. Amen. Bon, monique, moto akoli, vous avez vu que l'homme a grandi. Est-ce qu'assemblée est allée? Est-ce que l'assemblée est ici? Vous voyez? La foi est un fondement. La foi c'est le fondement. Fondation ya ndako. La fondation de la maison. Tel comme la maison ici où nous sommes assis, elle ne s'est pas arrêtée à la fondation. Et on a ajouté une ligne de briques. Et on a ajouté. Et on a ajouté. On a ajouté. On a ajouté. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée à la toiture. Jusqu'à ce qu'on a posé la toiture. C'est ce qu'on nous a donné comme conseil. Dans des jours à venir, nous allons apprendre des choses à la vertu. La connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Amen. Amen. Je vous ai dit. J'ai reçu l'inspiration de ce que nous parlons maintenant de la prédication du dimanche. Mais comme nous construisons la même maison, nous ne pouvons pas nous opposer. Tel vient, il met sa brique. Et que l'autre vient, il ajoute une autre brique. C'est pour que notre édifice soit bien bâti. Il faut que les croyants grandissent. Si l'homme grandit, les choses enfantines, il abandonne cela. Ne cherche pas qu'on puisse commencer. On peut bien les compter. Comme on ne peut pas aussi les compter. Mais c'est lui qui t'a appelé. Si c'est lui qui a commencé cet événement, c'est lui qui commencera à te prêcher chemin faisant. Tu es à la grâce. Osana classe. Tu es en classe. Yo. Il te dit toi. Okosala oyo. Tu feras ça. Mais oyo salate. Mais ça, ne faites pas. Osana zandu. Tu es au marché. Ayebisio oyo. Il te dit faites ça. Na niveau na yo. À ton niveau. Yo kosala yango. Tu peux le faire. Mais oyo. Mais ça. Okosalate. Tu ne peux pas le faire. Amen. Amen. Yemo kwaza motei na yo. Parce que lui-même est ton prédicateur. C'est lui-même qui te conduit. C'est lui-même qui t'a appelé. Et nous sommes taillés différemment. Et nous sommes taillés différemment. Toi, tu as ta nature. Moi, j'ai ma nature. Mais ce qui nous réunit tous, la nature divine. C'est la nature divine.
commune. Voyez. Kondi mayango. C'est la base. C'est la base. Yoka des pierres. Écoutez toujours des pierres. Frère Pierre n'a des pierres à l'obiboué. Deuxième épître des pierres. Alobibou. Il dit. Non, na un pierre. C'est dans les premiers épîtres de Pierre. Chapitre à Liboso. Le premier chapitre. Verset 8. Le verset 8. Vous l'aimez. Bokolingaye. Sans l'avoir vu. Kozanga komonaye. Vous croyez en lui. Bokondimela katinaye. Sans le voir encore. Nanu bomoni yete. Vous réjouissant. Bozali kosepela. D'une joie merveilleuse. Na esengo ya kitoko. Et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Alléluia. Moi je l'aime. J'aime ce Jésus. Plus que ma femme. Je l'aime beaucoup. Plus que le prophète. Je l'aime beaucoup. Plus que mes lunettes. Plus que ma montre. Plus que mon argent. Plus que tout ce que j'ai. Même si je ne l'ai pas encore vu. Par la foi. Mais dans la condiment. Je le vois. Je le crois. Et je vois ce qu'il fait dans ma vie. Ma soeur. Mon frère, tu n'es plus ce que tu étais. Dieu t'amène quelque part. Mais tu n'y es pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, là où tu es, se rendre compte que n'a commis quelque part. Tu te rends compte que je suis maintenant quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Yo, zaga ko mela makaya. Mais toi, tu fumais. Mais aujourd'hui, tu ne fumes plus. Nana, tu mais qui t'a piqué? Eza Jésus. C'est Jésus. Nanzela li lobanaï. À travers sa parole. Et par la foi. Et Nanzela condiment. Oh, surtout qui kaka posa makaya ici. Oh, tu es surpris, tu n'as plus envie de fumer. Yo, zaga moi si to mobali ya bikobo. Qui était une femme ou un homme. Lelo za isu na viwa nate. Aujourd'hui, tu n'as plus cette vie-là. Nani a commis yo bongo. Qui t'a rendu ainsi? Eza Nzambe wana. C'est ce Dieu-là. Ndima ke Nzambe wana okomona ye. Crois que ce Dieu-là, tu le verras. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Mon frère, mon frère, grâce. Nous avons eu la grâce. Si tu entres dans d'autres assemblées, si on cite Jésus, on dirait que c'est comme si vous êtes englouti dans l'eau. Mais ce qui va le prophète a dit. Mais s'ils disent prophète a dit, bah, quitte Panzani. Les chaises sont dispersées. Alléluia. Alléluia. Mais si tu prêches Jésus tel que je le prêche maintenant, lorsque vous allez sortir, il ne prêche que la Bible. Non, le message c'est la Bible. Mais ça angoisse l'idée de Bible. Amen. Amen. On m'a frère Pierre. Vous voyez cette écriture que le frère Pierre a prêché. C'est à l'obi. Et il dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi comme fondation, ajouter vertu. La vertu. Après vertu, si mana vertu, ajouter connaissance. Après connaissance, si mana boebi yango, ajouter maîtrise de soi. Bobakisa bongo et ainsi de suite. Pe bongo na bongo. Frère Branham, azwali komi wana, il a pris cette écriture, après ce titre, et il a donné un titre, la stature d'un homme parfait. Ce n'est pas une prédication qui est venue de lui. C'est une prédication venue de Jésus. Jésus a inspiré par frère Pierre. Jésus a inspiré frère Pierre. Yeah. Et quand lui est venu, pour nous situer très bien, il a lu cette écriture et il a donné un sujet. La stature d'un homme parfait. Il a dit la stature d'un homme parfait. C'est-à-dire la manière d'un homme qui a grandi. Être grandi. C'est presque la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Omoni Jude. Tu vois Jude? Alobi, même parole. Il a dit le même parole. Omoni Pierre. Voyez Pierre?
Il a dit le même parole. Même frère Paul. Qui n'a pas vu Jésus comme ça face à face. Mais Jésus l'a appelé comme il t'a appelé toi et moi. Lui aussi. Il a prêché la parole. Et quand il a prêché la parole, il a enfanté un enfant dans la foi. Timothée était un enfant que Paul avait engendré par la parole de Dieu. Malgré que c'est Paul qui l'avait enfanté, il était un enfant de Dieu que Dieu lui-même avait appelé. Dieu lui-même l'avait choisi. Et Dieu a fait de lui son serviteur. Si nous l'appelons en fils de Paul, parce qu'il a connu Jésus à travers les prédications de Paul. Mais regardez ce que Paul écrit. Dans 1 Timothée chapitre 1er. 1 Timothée chapitre 1er verset 3 jusqu'au verset 5. Paul écrit à Timothée, il dit ceci. Et cela nous concerne aussi. Je rends grâce à Dieu. Le Dieu que mes ancêtres ont servi. Et que je sers aussi avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Timothée avait une foi sincère. Et la foi de mascarade. Ce n'était pas une foi de mascarade. Peuple a foi sincère. Pour que tu aies la foi sincère, tu l'auras à travers les Écritures. Dans la parole de Dieu. Dites amen. Tu vois l'Écriture. Réglage. C'est comme un réglage. L'écriture de la parole de Dieu. Ça règle les croyants. Comme tu vois quelqu'un conduire la moto, le pneu commence à tanguer, à bouger. On prend les clés de roue. On commence à serrer. Les croyants. L'écriture. C'est des réglages pour lui. Amen. Amen. Si moi je viens te prêcher, je ne te prêcherai pas avec les choses qui sont à moi. Je te prêcherai les choses qui sont dans la parole. La parole va bien te fixer. Dites amen. Les paroles de l'homme n'aideront jamais l'homme. Mais les paroles de Dieu aident. L'écriture, l'écomie, pour nous, pour un abisso, c'est un réglage. C'est le réglage. Même Jésus, Ataïsou, tango asala qui affrontement à Satan. Quand il a fait son affrontement avec le Satan, il a utilisé les Écritures. Il est écrit. Et comment mi? Il est écrit. Et comment mi? Il est aussi écrit. Et comment mi perisusu? Satan kim. Et le Satan a pris fou. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Ah, il faut qu'on somme la Bible. Il faut acheter la Bible. Il faut aussi lire la Bible. Il faut que tu saches aussi les Écritures. Nous ensemble Jésus grâce. Nous sommes dans une assemblée qui a trouvé grâce. Et Dieu a placé un don d'un enseignant ici. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Notre pasteur, c'est un enseignant. La parole de Dieu. Toi, tu peux minimiser. Mais ailleurs, on donne de la valeur à ce ministère. Les gens voient que Dieu a donné à cet homme les dons de l'enseignement. Même si tu ne l'aimes pas charnellement. Mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, aime-le. Prie pour lui.
Et la fierté dans ton cœur que le Dieu du ciel, il a pris un de ses serviteurs, il m'a placé ici pour qu'il m'enseigne la parole de Dieu de la manière qu'il faut. Amen. Amen. Lilobanzambe, la parole de Dieu, l'écriture, les réglages. Si dans les mariages il y a un peu de problème, que tu sois diacre, que tu sois croyant, si tu vas chez eux, ne pars pas avec tes voyez-vous? Le journée à prière. Comme c'est une journée de prière, on peut s'arrêter là. Il faut qu'on là. Il faut grandir. Il faut qu'on là. Il faut grandir. Comme les frères avancent parce qu'ils veulent récupérer la chair, j'ajoute 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée. La recommandation que j'ai adressé à Timothée, mon enfant, moi, Nanangai, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, et j'ai adressé à Timothée, c'est que, Ezaliete, d'après elle, Koko kananabila ki, nabisakweli yango, tu combattes le bon combat. Oh, bunda etumba oya malam. En gardant la foi. Nako batela ka kondima yango. Et une bonne conscience. Bena motema oya malam. Cette conscience. Motema oya malam. Quelques-uns l'ont perdu. Bamoko basila ka kobongisa yango. Et ils ont fait naufrage. Pe bango bazindaki. Par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns. Bamoko. Quelques-uns. Bamoko. Basimbaki foi wanate. Ils n'ont pas tenu cette foi. Ngai. Moi. Tango mokengeli Ndombe Pierre. Lorsque le pasteur Ndombe Pierre na Bwende. A Bwende. A présentant à Jésus. Il m'avait présenté Jésus. Il avait tenu depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Yaka na ba citation yo lingi. Viens avec des citations comme tu veux.
Viens avec tes paroles comme tu veux. Ma première fois là. Dont on m'avait parlé qui est Jésus. Je l'ai tenu. Que tu montes. Que tu descendes. Tu ne pourras pas me ravir. Cela. Il a dit quelques-uns. Basali naufrage. Ils sont banzindi. C'est comme leur barrière qui a fait naufrage. Ceux qui prient aujourd'hui, ceux qui prient les hommes aujourd'hui, c'est comme ça qu'a commencé Mukuno. Est-ce que l'assemblée est ici? Ça commence toujours comme ça. Ça quittera d'adorer Branham comme Dieu. Et finalement, toi-même, tu deviendras Dieu. Nous sommes toujours là. Mais Jésus. Mais Jésus, si tu connais qui il est, plante ta foi là. Il est tout pour nous. Il y a un pour nous. Tu vois que moi je ne m'arrête qu'à prêcher, je vais rentrer pour m'asseoir. Maintenant nous voulons prier. Ce que tu as dans ton cœur, moi je ne le sais pas. Je te dis la vérité, Jésus a été bien. N'a qu'à y bisser le sol et Jésus le sait. Mais ce qui a lobby. Et s'il que okobima wana likambo wana te. Et que tu ne sortiras pas avec ces problèmes. Tu ne sortiras pas avec ces problèmes. Qu'on soit solution. Tu auras la solution. Il est tout pour nous. Azali nyanson pour abiso. Jésus. Yes. Alongo la kamion. Enlève les miens. Jésus. Jésus. Alongolaka cancer. Il enlève les cancers. Que ça soit cancer des seins. Que ça soit le cancer des seins. Que ça soit cancer des sang. Que ça soit le cancer des sang. Toutes sortes de cancers. Bah cancer nyons. Jésus alongolaka yam. Jésus enlève ça. Et ça la goitre. Que ça soit les goitres. Jésus alongolaka yam. Jésus enlève ça. Et ça la hémorroïde. Que ça soit les hémorroïdes. Jésus alongolaka yam. Jésus enlève ça. Et ça la épilepsie. Que ça soit l'épilepsie. Jésus alongolaka yam. Jésus enlève cela. Nyons. Tout. Amen. Amen. Il fallait yoyeba. Il a fallu que toi tu saches. La maladie. La maladie. Et la perversion de la bonne santé. C'est la perversion de la bonne santé. Jésus a ça la maladie. Jésus n'a pas créé la maladie. Jésus a ça la bonne santé. Jésus a créé la bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Maladie est où dit na munguna na ye. La maladie est venue de son ennemi. Mais imagine-toi. Mais imagine-toi. Munguna na ye. Son ennemi. Moto abenga na ye na lola ezaka kutu Jésus te. C'est lui qui l'a chassé au ciel, ce n'est même pas Jésus. Ezaka Michael. C'est Michael. Mais Michael est na Jésus. Mais Michael est Jésus. Jésus a dit colo. Jésus est au-dessus. Jésus n'a créé qu'à Michael. C'est Jésus qui a créé Michael. Est-ce qu'assemblée Zaliao? Est-ce qu'elle a sa médecine? Même maintenant qu'on a dit qu'il n'y a pas de réponse à Daniel. Même lorsque Dieu a envoyé la réponse auprès de Daniel. Lucifer. Lucifer. Nami Pepe. Dans les airs. A bloqué l'ange qui a copé sa réponse à Daniel. Il a 21 jours. Il a bloqué l'ange qui venait pour donner la réponse à Daniel pendant 21 jours. 21 jours. Pendant 21 jours. Daniel a bon délit. Daniel a prié. Nous avons dit une réponse. Dieu a envoyé la réponse. Lucifer dans ma pata. Lucifer dans les airs. A bloqué ange. Il a bloqué cet ange. 21 jours. Pendant 21 Daniel jours. Daniel a canissé le col en Zambie à répondre. Été. Daniel pensait comme si Dieu ne l'avait pas exaucé. Assis à répondre à qui? Or, Dieu l'avait déjà répondu. Qu'on blague à Satan. Ne blague pas avec Satan. Dimaka na libondeli na yo. Crois à ta à so prière. Bondeli. Si tu pries. Dimaka yo na bondeli na su yango. Crois que ce que tu as demandé, je l'ai eu. Même s'il y a eu beaucoup de jours. Est-ce que bolingi yango? Est-ce que vous aimez cela? Alors, Nzambe atuni Michael. Et Dieu demande à Michael. Mais pourquoi cet ange-là ne revient plus? Pour nani ni moi zéro na kozonga lisu soute? Mais il est bloqué. Mais bakangi yekuna. Par qui? Eh pas nani? Par Satan. Eh, na Satan. Mais ce n'est pas moi. Là, je sais, c'est toi qui l'avais chassé. Kende. Vas-y. Parce que Michael. Parce que Michael. Il est le chef d'état-major général. Il est le chef d'état-major général. Yalikolo. Du ciel. Gabriel. Gabriel. Il y a un messager. C'est un messager. Kende Yebisa Zacharie. Va, dis à Zacharie. Kende Yebisa Marie. Va, dis à Marie. Mais, que bitumba, mais si c'est le combat. C'est Michael. C'est Michael. Même le jour de notre enlèvement, même le jour de Michael est à Koya. C'est Michael qui viendra. Michael est à Koya, écarter Lucifer. C'est Michael qui écartera Lucifer de l'air. Et quand Michael est à Yaki. Et quand Michael est arrivé, Lucifer. Il a dit à Lucifer, Monsieur, Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Les Gambonines. Oh, 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 oh. Mais yo yo kagate pon. Oh, mais toi, tu es comment? Tu es incrédible. Hein? Pourquoi yo yo kagate? Pourquoi tu n'entends pas? Mais on t'a chassé là-bas à cause de cette incrédulité. Tu viens encore barricader ici? Allez, quitte! Alléluia! Alléluia!
Alongwe, et il a quitté. Ange a quitté. Et l'ange est descendu Daniel, auprès de Daniel. Après cette réponse, oh, Nzambe a tindeli. Il a donné la réponse et que Nzambe Dieu lui a envoyée. Et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, c'est Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres cas où il n'enverra pas Michael. Est-ce que vous allez où? Est-ce que vous êtes ici? Dieu m'a vu le devant. Lui-même, il vient, il prend et le devant. Exemple, le cas, il y a trois Hébreux. Exemple comme le cas des trois Hébreux. Atinda Michael. Il n'a pas envoyé Michael. Malgré un chef d'état-major. Quand bien même il est le chef d'état-major. Mais Michael a senga et permission. Et Michael avait demandé l'autorisation. Humanité. Tu ne vois pas? Il souffre pour toi. Mais mon rôle, c'est quoi? Ordre. Mais donne l'ordre. Nakende. Que j'aille. Il lui a dit. Michael. Il y a des choses qui ne t'engagent pas. D'autres choses, c'est bien moi-même. Toi, tu ne peux pas m'apprendre qu'il meurt pour moi. Moi-même, je le sais. Et même lorsqu'on les a ligotés, même lorsqu'on va les jeter dans la fournaise ardente, je vois. Comme tu es assis là, si c'est Dieu qui t'a appelé, il a le contrôle de tout pour toi, même au service, même dans, Libala, même dans les mariages, même dans, quartier, même dans les quartiers, partout, même comme nous sommes assis ici, Dieu peut faire le tour de contrôle dans chaque rang. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il peut envoyer un ange, tout comme lui-même peut donner la solution. Tu n'as jamais lu dans la Bible? Il est descendu. Il est entré aussi dans le feu. Quand il est entré dans le feu, le roi a reçu la révélation. Le ciel s'est ouvert. Arrêtez les bruits. Nous avons jeté combien de personnes dans le feu? Ils ont dit nous avons jeté trois. Mais moi j'en vois quatre. Mais le quatrième, c'est comme le fils de l'homme. Alléluia! Alléluia! Dieu protège. Zambe abate la. Dieu guérit. Zambe abikisaka. Dieu donne la solution. Zamba pesa kabiano. Est-ce que bolingi Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Malgré azana musika mengana go pepay. Malgré qu'il est loin, mais moi je peux le flotter la main. Je ne sais pas si le peux le flotter avec qui. Il est vivant. Mais il est vivant. Il est parmi nous. Ah, j'allais katikati na biso. Il peut faire tout. A koki kosa la nyoso. Mon frère. Mobile. Ça ne peut pas décanter situation na yo. Pour que Dieu décante ta situation. Ça ne demande pas de procédure. À l'instant, le roi a dit arrêtez les bruits. Meshach. Meshach. Abednego. Abednego. Shadrach. Shadrach. Dans le feu. Roi. Roi. Boyao. Venez ici. Fils de l'homme, alobi, boken. Le fils de l'homme dit allez-y. Lui, il a disparu. Babimi. Ils sont sortis. Et gratinir ya moto ezati. Pas de gratinure de feu. Solo ya milinga ezati. Pas même l'odeur de fumée. Solo ya parfum bazaki na nzoto yango kak. C'est seulement l'odeur de parfum qu'ils avaient qui sont. Roi lobby. Le roi dit. Banda lelo. À partir d'aujourd'hui. Aussi longtemps que je suis roi. Aussi longtemps que je suis roi. Nakata territoire. Dans ce territoire. Il n'y a pas d'autre dieu. Et zoemi na zambe mususute. Le dieu que nous devons adorer. Zambo eto sengeri kosambe. Seulement le dieu de ces trois garçons. Et j'arrive au bere zambe abami baro imisato. Et zambe na bango de zambe na biso. Et leur dieu c'est notre dieu. Simba bobele kondima. Tiens tout simplement la foi. Olingi Jésus. Vous aimez Jésus? Simba kaka kondima. Tiens tout simplement la foi. Le loza mokolo mabondeli. Aujourd'hui c'est le jour de prière. Pas très longtemps, nous allons prier. Tu sais ton cas. Moi, je n'en sais pas. Mais Dieu peut faire quelque chose. Mais Dieu peut faire quelque chose. Qu'il nous bénisse, nous tous. Mes bien-aimés frères et sœurs. Balingami nanga bande ko basi pe babali. Nous avons suivi la parole de Dieu. Certainement qu'il a parlé à chacun de vous. Nous allons nous mettre debout nous tous. Et nous allons prier ensemble. Conformément à la parole que nous venons d'écouter. Prions ensemble.
Pour demander au Seigneur notre Dieu de nous accorder ta grâce et de grandir dans la foi. Nous avons entendu de la parole de Dieu que la grande nourriture qui nous fait grandir, qui nous fait croître, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne à aimer la parole de Dieu comme il le faut. Que le Seigneur nous donne à aimer la parole de Dieu. À écouter la parole de Dieu jour et nuit. À marcher selon la parole de Dieu. Mes bien, mes frères et sœurs, cette nourriture qui est la parole de Dieu, c'est une richesse pour nous. Qu'on nous ravisse tout ce que nous avons, mais que nous laisse avec la parole de Dieu. Et nous allons grandir comme des enfants légitimes de Dieu. Les enfants normaux. C'est ce que je veux dire. Nous allons grandir comme des enfants normaux dans le Seigneur. Et sans la parole de Dieu, nous ne grandirons pas. Nous ne croîtrons pas. Mais que le Seigneur nous accorde cette grâce. Écoutez la pire parole de Dieu. Pas la parole falsifiée. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin que de la parole pire. Encore mes amis. Thank you.
Bien-aimés frères et sœurs, nous allons mettre à prier pour ces requêtes. La première requête. Nous allons prier pour notre bien-aimé frère qui demande pour sa maman Malek, qui demande de prier pour sa maman Malek, qui longtemps est opéré. Elle est restée longtemps à l'hôpital. La plaie ne s'est cicatrise pas. Pota eko kaukate. Que le Seigneur lui fasse grâce. Et enkolo asunga asali laingolo. Afin que la plaie soit cicatrisée. Lengete pota wana eko kabongo kokauka. Deuxième requête. Lilombo yali. Bien-aimés frères et sœurs. Balinga mi basi mpe babali. Priez le Seigneur. Bobonde lankolo. À ma faveur. Nantina nangai. Pour qu'il me délivre de tous les démons qui se sont installés à ma jambe. M'empêchant même d'aller au culte. Que le Seigneur m'assiste. J'ai la foi. Na jui kondima. Qu'après cette prière. Et le Seigneur interviendra. Kolo akosunga. Moi votre frère Gaston Lokwa. Ngai ndeko na bino Gaston Lokwa. Prions ensemble mes frères et sœurs. Que je suis retenu parmi les candidats magistrats qui doivent conquérir ce dimanche 9 octobre 2022. À cet effet, j'ai grandement besoin de vos soutiens en prière pour que le Seigneur Dieu pour que nous m'accorde l'intelligence et la réussite. Ape sanga maele mpe kolonga. Je crois fermement que si vous priez à ma faveur, na kondima na siki siki ete soki bobondeli na ntina nangai, Dieu nous exaucera. Nzambe akoyanola biso. Et m'accordera la réussite. Pe ya kopesa bangai kopesa ngai kolonga. Nomination en qualité de magistrat. Pe botiami nangai lokola magistrat. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse tous. Nzambe nkolo na biso apambola bino nyonso. Votre frère Kateta. Ndeko na bino Kateta. Il y a une autre requête toujours à la magistrature. Requête mususu ko bien tina ya magistrature. Moi votre sœur en Jésus-Christ. Ngai ndeko na bino ya mwasi kati na Yesu Kristo. Demande aux fils et filles de Dieu. Akosenga na bana mibali pe bana basi na Nzambe. Élevez leur voix. Akotombola mingongo na bango. Pour soutenir ma requête concernant mon fils Béa. Ora kosimba bosenga bwangai ko tele la mwana nangai beya. Son épouse Mwadi. Pe mwasi na ye Mwadi. Qui tous deux vont concourir à la magistrature au test qui sera organisé le 9, 10,
2022. Nous recommandons, nous recommandons leur sort au Seigneur Jésus-Christ, lui qui donne la sagesse et l'intelligence à ses enfants pour qu'ils soient retenus à la magistrature. Vous bénisse. Amen. Votre sœur Angèle. De konabino ya mwasi Angèle. Tout une autre requête toujours pour la magistrature. Et lilombo mususu gobelele pour la magistrature. Moi votre sœur Rebecca. Ngai de konabino ya mwasi Rebecca. Demande la prière de vous les saints. Akosena libondele ya bino basanto. Car je vais prester le test à la magistrature. Ona koleka na momekano yo ya magistrature. Et sa grâce. Nzambe apesa ngai ngolo na ye. De la magistrature. Ya kolonga pwete na koma magistrat. Et prions mes bien-aimés pour cette requête. Obondele baninga mena nga pona marombo miasatu oyo. Jean-Marie Mutombo. Je vous demande à vous les saints, de prier pour mon dossier qui est bloqué quelque part. Depuis plusieurs jours, afin que le Seigneur puisse intervenir pour son aboutissement meilleur. Donc nous allons prier pour ce dossier qui est longtemps bloqué quelque part, et le Seigneur intervient efficacement pour l'aboutissement meilleur. Prions ensemble mes amis. Nous devons profiter de cette occasion. À part le sujet que nous avions aujourd'hui, nous devons profiter de l'occasion. Chacun de nous doit présenter une requête de requête. Une requête qui le retient jour et nuit. Vous préférez voir l'aboutissement pour que le Seigneur réponde favorablement. En présence du Seigneur, nous allons prier ensemble que le Seigneur réponde à nos requêtes. Prions ensemble, mes bien-aimés. Thank you.
sœurs. Pour clore nos prières, nous demanderons à nos bien-aimés frères de pouvoir prier pour nous. Frère Jean-Pierre Bolonga, Jean-Pierre Bolonga peut avancer, suivi des frères Kennedy. Zambe Mulinga Minabiso Yesu Christo. Dieu notre bien-aimé Seigneur Jésus Christ. Esengo etuli na mitema na biso. La joie est grande dans nos cœurs. Pona kondima pe koyoka Nzambe lokola yo. Pour avoir crié et connaître un Dieu comme toi. Ya solo penza na pokwa lelo. C'est vrai ce soir. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Seigneur, Seigneur, tu nous as fait voir que nous devrions grandir. Que nous ne restions pas comme des enfants, Seigneur. Que nous puissions grandir dans la foi. Et tu nous as fait voir comment nous devrions grandir. Joindre à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. La patience. La piété. L'amour fraternel. Alléluia. À la fin des comptes, ajouter ton amour dans notre cœur. C'est ce que nous avons besoin. Pour que nous arrivions à la perfection. Ces capacités-là, qui va nous les donner, Seigneur? C'est seulement toi. Pour le bail que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parce que tu avais dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi alors, Père bien-aimé? Ce soir, Père bien-aimé, tu nous as fait voir qu'il n'y a pas grand-chose devant toi, il n'y a pas une chose impossible devant toi. Que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quelle maladie, Seigneur, tu es la solution pour nous. Seigneur, tu es la solution pour nous. Nous sommes contents d'avoir un Dieu comme toi. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Bénis ton serviteur. À travers lequel tu l'as utilisé d'une manière spéciale. Pour susciter encore la foi dans notre cœur. Que nous puissions voir que tout ce que nous te demandons par la foi. Nous les verrons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as entendu les requêtes de tes enfants, Seigneur. Maman Aleki de notre frère qui est malade à l'hôpital. La plaie ne se cicatrise pas. Mais le grand médecin, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit en psaume 103. Que c'est toi l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. En Ésaïe 53, pour ne pas te maîtriser, nous avons été guéris. C'est toi le médecin qui fait l'opération sans cicatrice. Entre à l'œuvre, cicatrise la plaie de l'opération de la maman Aleki de notre frère à travers les prières de tes enfants que cela produise les effets dans leur vie dans et qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, pense aussi à notre frère qui souffre les genoux. Nous venons d'entendre ici. Et les projets que tu as fait pour nous, ce sont les projets de bonheur. Nous prospérons à tous égards. Nous prospérions à tous égards. Nous en bonne santé. Et nous soyons en bonne santé. Pour que nous venions écouter ta parole. Mais les démons l'ont bloqué. Il n'y a pas moyen qu'ils viennent ici. Comme toi tu es. Et nous plaçons confiance en toi. Et nous croyons que notre frère est déjà guéri au nom de Dieu.
du Seigneur Jésus-Christ. Donne l'intelligence et la sagesse à nos frères qui s'apprêtent pour passer le test pour accéder à la magistrature. La magistrature. C'est lui qui avait donné à Salomon la sagesse de toi. Donne-les aussi, Seigneur. Les jours à venir, que ce soit nos frères qu'ils viennent rendre compte que tu as été avec eux. Et tu les as rendus la victoire. Nomination est bimaki, et la nomination est sortie pour qu'ils soient nommés des magistrats. Et, magistrats, et quand ils seront des magistrats, ils louent ton nom à ce lieu-là. Parce que c'est un lieu où Satan est très beaucoup, dans les corruptions, dans des diverses choses. Mais ceux qui sont à toi sont tes témoins. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, qu'il soit comme des signes que tu placeras là-bas pour juger tous les magistrats du monde. Grand monène, sois loué pour cela. Seigneur, Seigneur, que dirions-nous encore? Nous croyons que tu as déjà exaucé nos prières. Quand on requête tu restes, toi tu les connais. Tes enfants, chacun, a élevé sa voix vers toi dans l'un des problèmes. C'est lui qui n'a pas de solution. Donne-lui la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne sorte tel qu'il était en train. Nous sortons d'ici croyant que nous avons déjà reçu, parce que tu as dit dans ta parole dans Marc chapitre 11 verset 24 que tout ce que vous demanderez en prière, vous croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Zambé, tata d'anko na biso Yesu Masia. Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ. Yozali tata. Toi tu es Père. Bisozali ban. Nous sommes les enfants. Solo tondimi na pokwa lelo. C'est vrai, nous croyons ce soir. Olobeli biso. Tu nous as parlé. D'une manière spéciale. D'une manière spéciale. Sans kobeta ntembe. Sans douter. Olobeli biso. Tu nous as parlé. Olobeli biso. Tu nous as parlé. Bonanti na bokoli. Au sujet de la croissance. Soki mwana botami. Si l'enfant est né. Ebongi afan. Il faut qu'il reste, qu'il se mette debout, et qu'il marche. Et d'accord, moi la colis. C'est la montre et la femme. Nous avons et pris bon, toi. Nous devons croire dans les choses de Dieu. Que nous ne restions pas seulement des chétifs. Merci, tata. Merci, Seigneur. Ce soir, tu nous as interpellés au sujet de la croissance. Et nous ne restions pas des chétifs. Nous devons grandir. Kolosunga. Seigneur, aide. Notre force, c'est à toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Si nous aimons mais les gens, mais toi, tu dois être au-dessus. On ne peut pas mettre notre Dieu devant toi. Tu as dit Israël est foutre. Il n'y a point d'autre Dieu devant moi. Nous n'avons qu'un Dieu qui a créé le ciel. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, c'est lui qui te tient. Il voit Il n'y a plus de condamnation. À ceux qui ont dit à toi, nous sommes délivrés de la condamnation. Nous sommes délivrés de critiques. Nous sommes délivrés de sorcellerie. Délivre-nous et nous serons délivrés. Oh Dieu le Tout-Puissant. Oh le Dieu Tout-Puissant. C'est un don parmi nous. Béni pour ses vidéos. Qu'il soit béni. Qu'il soit protégé. Que son ministère avance. Qu'il a grandi. Oh Dieu le Tout-Puissant. Oh le Dieu Tout-Puissant. Que notre pasteur là où il est. C'est toi le vrai pasteur. Garde-le.
Prends soin de lui. Sois avec lui. Seigneur, nous l'aimons. Parce que nous avons entendu ici. C'est un don que tu as placé pour nous. Pour que nous soyons enseignés. Pour que nous soyons enseignés. Pour que nous grandissions dans tes choses. Seigneur, tu es merveilleux. Comme tu es merveilleux, nous te disons merci. Gloire. Honneur. Que ce soit rendu. Seigneur, ce qui vient d'être prêché ici, c'est pour nous. C'est pour nous. Que chacun de nous tienne. C'est la victoire. Le Satan n'est pas content. Seigneur, aide-nous. Donne-nous la force. Et nous en aurons. Les capacités viennent de toi. Bénis les jeunes, sœurs et frères. C'est toi qui donnes les mariages. C'est toi qui donnes les enfants. C'est toi qui donnes les travaux. Tes serviteurs ont prié pour montrer qu'il n'y a rien sans toi. Seigneur, tu guéris, délivre, bénis, bénis le diacre, bénis notre frère Jérémie, sois avec lui, que nos prédicateurs soient bénis, que tout le monde Israël soit que ton Israël soit béni, que ton serviteur fidèle soit béni. Seigneur, que tu lui donnes la force. Nous abandonnons à toi. Si cela est ta volonté, demain nous serons encore ici. Nous ne nous manquerons pas de louer ton Seigneur. Nous avons ainsi demandé par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien, mes frères et sœurs, nous sommes bénis. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Notre bien-aimé Charles Lumbwe. Mukumari. Écrit ce qui suit. Akomi boye. Le frère Joseph Lilanga. Ndeko Joseph Lilanga. Informe l'église. Akoyebisa Lingomba. Qu'il vient d'arriver à Montréal. Et à Otibongo Kokoma na Montréal. À 17h pile. Na 17h pile. De Kinshasa. Kinshasa. 11h local donc au Canada. 11h local kuna na Canada. Par la même occasion. Na nzela ngo moko moko. Il salue les frères et les sœurs. Akopesa mbote papa ndeko basi mpe babali. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christo. Le jour où on va me donner le numéro de Montréal. Mokolo bakopesa nga numéro ya Montréal. Je vous donnerai. Na kopesa bino yango. Présentement on ne m'a pas donné. Ça ça ipi na ba pesinga yango te. Tout au début du culte, nous avons présenté nos bien-aimés. Un bien-aimé qui venait de Lubumbashi. Il s'appelle Adoris. Adonis. Adonis. Makoleka. Ouais. Yo. Il est là au milieu de nous. Frère, tu peux encore te mettre debout? Que nos bien-aimés te prennent bien. Qu'en sortant, il faut le saluer chaleureusement. C'est notre bien-aimé frère. Et mettez-vous. Vanda. Et puis nous avons reçu un frère. C'est un serviteur de Dieu. Il peut venir ici. Il s'appelle Isaac Kebenge. Kebenge. Tu as une dissertation pour l'Assemblée? Que Dieu vous bénisse richement. Je suis votre bien-aimé frère dans le Seigneur. Mon nom c'est Isaac Kebenge. Je vis en Angleterre, à Nottingham. Je vous transmets les salutations de la petite assemblée là où je suis. Je prêche la parole de Dieu à Nottingham. Dieu vous bénisse richement. Notre bien-aimé frère Richard Machita. Il était éprouvé. Il est éprouvé. Le dimanche, je vous ai dit que on doit avoir enterré aujourd'hui le corps. Donc. Le dimanche là. Le dimanche là. Mais on n'a pas enterré. Mais il y avait des choses à régler. Sinon, le corps sera enterré demain. La veillée mortuaire. Veillée mortuaire sera à l'espace Ngilima. Et qu'on a l'année ici qu'on va bien Ngilima. Arrêt, maman, la reine. Arrêt, maman, la reine. Maman, la reine, oui. À ma tête. Kuna na ma tête. Le corps sera exposé. D'autres côtés, maman.
Le corps est à, mais pas le corps est à exploser. Le corps est à la morgue de Saint Joseph. Zoto ezali kati na ndako ya malili ya Saint Joseph. Demain on sort le corps. Lobi lokoya ndeba komimisa nzoto. On va l'amener à la au cimetière de la nouvelle cité en Célé. Ba komema yango na na cimetière ya nouvelle cité kuna na Célé. On se comprend? Yokani. Que Dieu vous bénisse. Zambé à Pambola Bino. Frère Cephas, chante-nous un peu. Là où c'est la croix, oh Jésus a tout fait.